Parfois, un auteur de cinéma est fasciné par le courage qui mène un homme à accomplir de grandes choses, ce courage qui amène un simple être humain à devenir le protagoniste central d'une œuvre de cinéma. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui voit en l'homme face à l'exceptionnel le moyen de créer un divertissement énergique et réflexif. Julien Leclerc est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 12 ans. Son nom est encore celui d'un petit anonyme dans la production audiovisuelle française, mais ses films ont déjà réussi à imposer un style qui marque les spectateurs, un style qui mélange l'esprit du polar et du film d'action à la Olivier Marshall, et l'esprit très à l'américaine d'un divertissement qui se doit de mêler avec habileté, intensité dramatique et action divertissante. Son cinéma n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais l'esprit et les idées y sont déjà présentes. Cette envie de faire du cinéma français, un art mêlant des origines propres à la production hexagonale et à la production américaine. Cela, Leclerc cherche à le faire autour d'un cinéma d'action simple, et efficace. Ces films cherchent simplement à mettre en avant un homme qui va devoir affronter une force supérieure en créant un affect émotionnel primaire fort entre le spectateur et celui-ci, afin de créer un rapprochement dramatique entre ce futur héros et le spectateur qui sera fasciné par ses actes et leurs conséquences. En créant tout cela, Leclerc noue l'essence même de son cinéma au ressenti que le spectateur aura sur les actions, le rythme et l'essence même émotionnelle du film qui va se mettre en scène devant lui. C'est en cela que le cinéma de Leclerc cherche avant tout à miser son art sur ses personnages, comme si ce n'était que par le biais de ceux-ci qu'il pouvait créer la moindre bribe d'émotion. Ainsi, il crée un lien fort entre le déroulé dramatique d'une de ses œuvres et l'évolution caractérielle et cinématographique de son héros. Leclerc ne se contente pas alors simplement de construire un récit narratif simple, mais il donne un côté très à l'américaine à ses films, ce côté où un héros va devenir le sauveur, le personnage clé d'une opération ou d'un acte, apportant ainsi une vision assez simple mais tout de même juste émotionnellement d'une avancée dramatique. Nous ne sommes plus simplement dans le regard des actes de ce héros, mais nous acceptons également ce qu'il fait comme une nécessité, ce qui donne ainsi au cinéma de Leclerc un côté extrêmement engagé d'un point de vue dramatique et également humaniste. Après, cela atteint tout de même une certaine limite au sein de son cinéma, puisque passé cette immersion introspective au travers de ce personnage, seuls ses actes comptent et l'action un peu moins. On se retrouve ainsi devant une œuvre tellement passionnée par l'être humain qu'on oublie un peu peut-être de l'humaniser, plutôt que de l'idolâtrer. Comme si au bout du compte, au-delà de leurs actions, leur humanité n'était finalement pas si présente, Leclerc semble alors oublier l'essence même d'une bonne immersion, que les actions de ces personnages ne deviennent pas la seule forme de représentation de leurs pensées et de leurs traits de caractère. Ainsi, même si ces personnages sont attachants, Leclerc oublie peut-être tout simplement que derrière l'image que l'on se fait d'un héros, il y a également un être humain qui aurait besoin de transpirer pour que l'on s'attache réellement à ce qui nous fait rêver chez lui. Plonger dans le cinéma de Julien Leclerc, c'est à la fois adorer l'homme pour ce qu'il peut être, mais c'est également oublier un peu ce qu'il est avant tout. Leclerc est un cinéaste tellement fasciné par les héros hors du commun qu'il oublie finalement simplement de nous rappeler que c'est dans le quotidien que l'on reconnaît les vrais héros.